Univers. Allez, dernière actu culturelle locale ce soir avant les chroniques. Et vous allez à la fois découvrir, vous allez voir un ensemble musical tourangeau et puis un nouveau mot à fort potentiel de points pour le Scrabble, puisqu'on va parler de PTYX, P-T-Y-X, avec Antoine Moulin qui nous a déjà dévoilé que ça voulait rien dire, PTYX en fait. Non, ça veut absolument rien dire, mais ça n'est pas de mon fait en fait. C'est du fait de Mallarmé en fait, qui cherchait une rime en X pour aller avec Onyx, Styx, Phoenix. Et PTYX, voilà. Eh bien, très bien. Donc, on lui doit tout. C'est chic, Mallarmé, c'est une belle référence, ouais, en tout cas. Chic, ouais. Vous êtes clarinettiste de l'ensemble, justement, qui a été fondé en 2007, avec un propos, c'était défendre des territoires musicaux peu explorés. Alors, c'est-à-dire ? Ben, c'est-à-dire les compositeurs vivants de nos jours qui ont envie que leur musique soit jouée, soit interprétée, qui ont parfois du mal aussi à trouver un... Voilà, une résonance à la fois auprès du public, à la fois auprès des musiciens, bien tout d'abord, sûr. Parce qu'il faut, voilà, faut s'intéresser à ce qu'ils font pour qu'eux-mêmes s'intéressent aussi aux ensembles, aux musiciens. Voilà, on est tous, en tant qu'instrumentistes, très, très à l'affût de ce qui peut être écrit pour notre famille instrumentale, pour eh, notre instrument. Sûr. Il y a eu beaucoup de choses en musique contemporaine écrites voilà, pour les percussions, pour les instruments plus nouveaux, en fait. Ça s'est beaucoup développé pendant des décennies. Et maintenant, bon, voilà, on a moyen de faire des choses très intéressantes avec des ensembles plus variés, en introduisant. Mais alors, du coup, qui compose l'ensemble? Parce qu'il y a des choses qui vous réunissent, bien entendu, ouais. Cet esprit de découverte, de diffusion, on va dire, mais vous êtes tous instrumentistes, mais il y a beaucoup d'instruments. Vous ouais. êtes combien dans le collectif? On est une vingtaine. Ouais, une vingtaine. C'est ça, à géométrie hein. variable. On s'est rencontrés, en fait, l'amorce du projet, c'est Jean-Baptiste Appéré ouais. qui l'a faite. Et qui le dirige aujourd'hui. Et qui l'a faite autour des folk songs de Luciano Berio. Évidemment, quand il m'a passé un coup de téléphone pour me dire ça te dirait de jouer ça, je dis bah oui. Carrément. On n'a pas toujours l'ensemble qui peut correspondre à l'instrumentation nécessaire pour jouer ces folk songs. Et là, on avait tout le monde et des gens très motivés. Et voilà, on s'est embarqué là-dedans et ça fait 10 ans. Et ça fait 10 ans. Alors, il y a plein d'actu autour de ce projet. Nous, c'est la première fois qu'on le découvre. Peut-être que j'espère qu'on vous le fait découvrir aussi. Il y a une sortie de résidence qui est au 37e parallèle. Un concert dans la foulée le 18 février. Ça, ce sera donc ce week-end à Containvoir, en Touraine-Angevine, par là-bas. Donc ça, c'est super. Et puis aussi, un premier disque qui va voir le jour. En ce moment, il y a une caisse, vous savez, une caisse de participation collaborative sur Ulule, qui est consacrée, ce disque-là, normalement, au répertoire récent de la clarinette. Alors ça vous c'est touche, ça. J'ai envie de dire, puisque vous êtes clarinettiste de l'ensemble. Mais je suis les plâtres, en fait. Donc, ce sera la première étant, production. Voilà, c'est ça. On se faisait plaisir en enregistrant des pièces dédiées aux solistes de l'ensemble. Donc c'est là que je dis réellement « j'essuie les plâtres ». Et de fait, il y a quand même des musiciens qui sont invités aussi à jouer sur ce disque, notamment Émilie Tillet au chant, Fabrice François au saxophone, Guillaume Coussy, flûtiste, ensuite Pierre Malle au violon, Anthony Chéneau à l'alto, Benjamin Garnier qui nous a rejoint récemment au violoncelle, Anne Rossignol aux percussions. Ensuite, il y a toute l'équipe, il y a Jean-Baptiste qui est le directeur artistique, il y a Cyril Solnay qu'on n'oublie pas au son, Hélène Obineau qui nous fait toute l'installation, mise en lumière. Voilà, ça c'est assez un formidable. Un beau travail de copain, on va dire. Et Marion Francini pour tout ce qui va être le visuel du futur disque. Mais sûr. Là, on se fait plaisir parce que le disque, c'est un peu has-been maintenant. Mais... Non, mais, on se... non, il y en a encore plein. Et là, vous pouvez participer, tout le monde, tout ce qui nous regarde peut participer à cette collecte. Mais on termine justement en écoutant un extrait. Regardez. C'était pour vous mettre en bouche de PTYX. Allez sur la page Ulule, donnez, comme dirait Enrico Macias. Dieu vous le rendra, bien entendu, et la musique aussi. Et venez au concert. Ça, ce sera, je vous le redis, le 18 février prochain à Containvoir, en Indre-et-Loire. Merci beaucoup, Antoine Moulin, merci d'avoir été notre invité merci ce soir. Vous allez bien sûr sur le site et sur le Facebook de l'ensemble PTYX, P-T-Y-X. Quand vous tapez ça dans votre moteur de recherche, vous allez pouvoir le trouver, vous allez voir. Alors, on va marquer une courte pause. On va libérer nos invités. Merci beaucoup, Anello. Merci beaucoup. Merci à notre gagnant des Nuitées Vagabondes, Vincent Dole. Et merci beaucoup à Antoine aussi d'avoir été des nôtres. Nous, on se retrouve juste après la pub.